Alors, le contexte de la vie, il faut le remettre aussi dans le contexte du Conseil économique, social et environnemental. On arrive finalement à la fin d'un cycle, en tout cas bien avancé au niveau du CESE, sur tous les avis qui ont concerné l'environnement, les enjeux de la conférence climat. Ce sont les derniers qui viennent d'être approuvés par notre conseil. Et donc là, la section travail et emploi, c'est prioritairement sur cet avis, intéressé, j'allais dire un peu pour la première fois, à ce que l'emploi et les enjeux sociaux autour de la transition écologique, comment on pouvait les mettre en perspective et comment on pouvait aussi essayer d'évaluer, d'analyser ce qu'est le début d'une transition et ses impacts sur l'emploi et la formation. Ce qu'on peut ajouter, c'est que la transition écologique, elle est inéluctable. Il y a de plus en plus, pour le faire de manière très simple, il y a de plus en plus d'habitants sur la planète et de moins en moins de ressources, et que ça doit nous emmener à avoir une économie qui soit moins prédatrice de ressources naturelles et moins génératrice de rejets. Donc on comprend tout de suite l'impact que ça a sur l'activité des entreprises qui doivent modifier leur mode de production pour avoir une économie plus sobre en ressources et moins génératrice de rejets. Et ça a évidemment des impacts directs sur les entreprises et donc sur l'emploi. La section s'est beaucoup intéressée à analyser les annonces qui sont faites sur ce sujet. Souvent, elles sont très quantitatives, c'est-à-dire est-ce que la transition écologique va créer des centaines de milliers d'emplois, dans combien de temps, qui ça va concerner. Donc nous avons essayé de descendre un tout petit peu plus dans l'analyse plus fine des situations et de nous poser vraiment la question, est-ce que c'est de la création d'emplois, est-ce que éventuellement c'est de la destruction d'emplois, et quels sont les enjeux à la fois pour les entreprises, comme vient de le dire Bruno, à la fois pour les territoires, pour les branches, comment il faut accompagner cet emploi avant de se poser la question du combien. On s'est aussi intéressé à comment. Il y a plusieurs enseignements du travail que l'on a fait avec les collègues de la section du travail et de l'emploi. Le premier enseignement, c'est que le gisement des emplois qui contribuent à la transition écologique n'est pas très bien défini. On raisonne beaucoup au niveau national sur les emplois verts et les emplois verdissants. Ce qui du coup amène à dire qu'il y a des emplois verts foncés, verts pâles, verdissants, etc. Et nous, on a choisi délibérément de sortir de cette logique. Et on s'est dit, puisque la transition écologique, elle est inéluctable, elle va impacter tous les métiers ou quasiment tous les métiers. Et donc la vraie question, c'est plutôt de se dire, puisque nos modes de production doivent changer, en étant, comme je le disais tout à l'heure, moins prédateurs de ressources et moins générateurs de rejets, comment ça va se traduire dans les différents métiers. Alors aujourd'hui, quand même, pour avoir des éléments chiffrés, d'après l'INSEE, c'est des chiffres de 2010, les emplois de l'économie verte sont quantifiés à hauteur de 5 millions d'emplois. Un petit peu moins de 20% de la population active. Mais là-dedans, il y a des emplois dont une partie du temps de travail est consacrée à la transition écologique, l'autre pas. De la même manière, on s'est rendu compte en travaillant sur le sujet qu'il y avait aujourd'hui des emplois qui concouraient pleinement à la transition écologique, mais qui n'étaient pas repérés et qui ne rentraient pas dans la nomenclature. Donc vous voyez, il y a vraiment ce problème de mieux définir la problématique. Un autre enseignement aussi, c'est que on s'est rendu compte que la question de l'emploi, c'était pas une conséquence, une variable d'ajustement de la transition écologique, mais que c'était sans doute une des conditions de la réussite de la transition écologique. Que si effectivement on réussissait cette question de l'emploi, donc à la fois de la reconversion d'un certain nombre de personnes et de la qualification d'autres personnes, ça devenait effectivement quelque chose qui était approprié par le plus grand nombre. D'un point de vue quantitatif, un des enseignements aussi de notre travail, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore peu de nouveaux métiers. Et il y a vraiment besoin, en revanche, d'adaptation sur de nombreux métiers, donc d'acquisition de nouvelles compétences, la création de nouvelles qualifications. Quand j'ai dit ça, on s'est aussi rendu compte que, on va dire, le marché de la transition écologique supposait aussi beaucoup une approche décloisonnée.
Un bon exemple, c'est qui est aujourd'hui d'actualité, c'est la question de la rénovation énergétique ou de la politique énergétique. On a besoin d'énergéticiens, on a besoin aussi d'ouvriers et d'entreprises du bâtiment. Et il faut que ces gens-là ils puissent travailler ensemble et être coordonnés. Donc il y a sans doute aussi une logique de nouveaux emplois qui ne seront pas très importants en nombre, mais d'assembliers, un peu comme on a des architectes pour faire une maison, pour faire une ville durable ou pour rénover et améliorer l'efficacité énergétique des constructions et des bâtiments. Il y a besoin de ce travail d'assemblier. On s'est aussi rendu compte qu'une des difficultés pour l'emploi, c'était qu'aujourd'hui, on manque d'une volonté politique affichée et affirmée, d'une cohérence et d'une constance des politiques publiques. Que ce soit au niveau communautaire, au niveau européen, ça pourrait être très intéressant d'avoir une sorte d'Airbus des énergies renouvelables, que ce soit au niveau national, les valses hésitations sur le prix de rachat du photovoltaïque a eu des impacts sur l'emploi puisque ça a compromis la viabilité d'un certain nombre d'entreprises, ou que ce soit au niveau des régions stratèges. Hein. Et d'ailleurs, on propose qu'au niveau régional, il puisse y avoir des démarches d'anticipation avec la construction de politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle de la région. Après, cette logique de programmation, et c'est le dernier enseignement de notre travail, elle ne peut pas être efficace si elle est décidée d'en haut, hein, au niveau de la Commission européenne, au niveau du gouvernement français, au niveau de l'exécutif régional. Il faut vraiment y associer les différentes parties prenantes. Alors bien sûr, via le dialogue social, puisqu'on est vraiment au cœur de la question de l'emploi, mais aussi avec les organisations qui sont impliquées dans ce processus de transition écologique. La valeur ajoutée de cet avis, c'est déjà que la section travail et emploi s'en soit saisie. Et donc, l'emploi est au cœur de la réflexion. Et quand on parle d'emploi, on parle évidemment de ce qui concourt à améliorer socialement, économiquement, ces enjeux-là. Donc, la transition écologique, comme l'a dit très bien Bruno, est un enjeu, je dirais, de prospective, de perspective. On est sur une stratégie à 5-10 ans. On a aussi des enjeux immédiats. Et donc, quelles vont être les conséquences sur l'emploi, sur les compétences, sur la formation professionnelle, et comment vont s'en saisir les acteurs principaux, que sont bien entendu les entreprises, les employeurs, bien entendu les salariés et l'environnement du dialogue social, mais également, et je crois que ça c'est une des fortes valeurs ajoutées de notre avis, c'est comment les territoires peuvent s'en saisir, comment les régions qui ont de nouvelles compétences vont devoir intégrer ces enjeux d'emploi dans la transition écologique. Donc c'est quand même une petite révolution des mentalités. Alors, au niveau des recommandations principales, on a essayé de les structurer au niveau de la section en trois grands enjeux. Le premier enjeu, c'est de renforcer cette prise en compte de l'emploi dans la transition écologique et de ce qui va, je dirais, avec, c'est-à-dire à la fois la prévision, d'où la remise en perspective de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est parfois, je dirais, peu repris parce que c'est un sujet qui peut être perçu comme étant une bouteille à langue. Nous, on considère aujourd'hui que c'est un enjeu majeur que d'intégrer la transition écologique et ses conséquences ou ses enjeux dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'il s'agisse pour les grandes entreprises d'une GPEC intégrée, ou qu'il s'agisse pour les toutes petites entreprises et les territoires de GPEC interprofessionnelles et territoriales. Donc, une partie de nos recommandations vont dans ce sens pour vraiment engager les acteurs à dès maintenant assumer cette transition, c'est-à-dire ce changement. Le deuxième enjeu, c'est évidemment améliorer l'évolution de l'emploi dans la transition écologique, c'est-à-dire améliorer le chiffrage. Il y a eu beaucoup de polémiques sur ces sujets-là. Parfois, on s'est questionné pour savoir si notre avis, c'était un avis qui quantifiait mieux que ce qui existait. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par d'autres environnements, par d'autres acteurs. On a essayé de ramasser ce qui se disait sur le sujet, d'essayer d'identifier aussi les secteurs qui étaient prioritairement en ce moment, là, maintenant, où on se parle, déjà
dans la transition écologique et dans les enjeux d'emploi, et puis d'essayer d'améliorer ou en tout cas de demander à ce que le chiffrage, les évaluations quantitatives prennent mieux en compte la transformation des métiers et des qualifications et pas simplement la quantification des emplois verts ou verdissants, comme le disait Bruno. Et puis le troisième grand axe de notre avis au niveau de la section, c'est d'essayer d'avoir un travail plus partagé entre les partenaires, je dirais, traditionnels du dialogue social et des territoires, la société civile organisée. Il y a de nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu et il faut savoir aussi jouer la transition dans ce domaine. Et donc nous avons fait quelques recommandations sur ce sujet. Aujourd'hui, notre avis évalue, et nous ne sommes pas les seuls à le faire, à environ 100 000 emplois entre 2014 et 2015 qui pourraient être générés en termes d'emplois supplémentaires par les enjeux de la transition écologique. Et puis, on sait déjà que près de 75 000 emplois ont été créés, vont être créés par l'amplification de la rénovation énergétique dans les bâtiments. Donc voilà, les chiffres sont là, ils ne sont pas démesurés, ils sont dans un processus qui va être long et qui nécessitera, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, un vrai enjeu stratégique de l'ensemble des acteurs concernés. Pour conclure, une des plus-values de notre avis, selon nous, c'est le fait que ce soit le fruit d'un travail d'échange et de compromis avec les collègues de la section du travail et de l'emploi qui représentent les différentes facettes de la société civile organisée. Et donc il y a vraiment une plus-value intrinsèque qui est liée au fonctionnement de cette chambre, qui permet du coup de ne pas faire en sorte que chacun de son côté assène des vérités, mais qu'on soit capable de produire quelque chose qui fait sens par rapport au sujet donné. Et là, l'idée justement de la mobilisation de toutes les parties prenantes autour de l'enjeu essentiel de l'emploi dans la transition écologique et la manière dont on l'a abordé illustre bien cette logique propre au CESE.